Yo les mecs, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui, on est allé appeler à Los Angeles. Regardez ce qu'il y a derrière moi. Il y a tout simplement le stand de FIFA, FIFA 20. Et donc, on va bien sûr aller le tester. Regardez, la queue est juste derrière. On va aller le tester et après, je vous dirai ce que j'en pense, bien sûr. Sans langue de bois, j'ai hâte, je ne vais pas vous mentir. J'ai hâte de le tester. Mardi, on testera PES, mais aujourd'hui, c'est l'heure de FIFA. Voyons voir ce que va nous donner ce nouvel opus. Il y a beaucoup d'attentes, hein, puisque le FIFA 19 était vraiment catastrophique. Ils ont dit qu'ils avaient travaillé sur le gameplay. On va aller voir ça tout de suite. Malheureusement, on ne pourra pas tester le nouveau mode Volta, le 5v5. Regardez, il y a une petite animation. En attendant, on se retrouve juste après pour que je vous donne du coup tout simplement mon ressenti sur ce FIFA 2020. A tout de suite les mecs. Yo les mecs, donc on se retrouve un petit peu au calme, hein. Ça y est, on est rentré à l'hôtel, je vous explique pas, on a passé une journée chargée, très chargée, il faisait très 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 chaud, je pense que ça se voit, j'ai dû prendre quelques petites rougeurs, mais c'est pas grave. Donc, on l'a testé, ce FIFA 20, alors je vais tout vous dire les amis, on n'a pas pu tester le mode Volta, bien sûr, malheureusement j'ai envie de dire, ça se passait comment? C'était du 1v1. Tout simplement, donc j'ai affronté un mec, j'ai pu faire 3-4 matchs, pas de quoi vraiment se faire une grosse opinion, mais malgré tout, je vais pouvoir vous dire ce que j'ai ressenti sur ce gameplay E3, parce que oui, c'est un gameplay E3, c'était en match rapide, 1 contre 1, hors ligne, d'ailleurs, sur PES, ce sera pareil les amis, ce sera un mode E3, une version E3, puisque jusqu'à la sortie des jeux, malheureusement, ils ont le temps de faire des ajustements et c'est souvent des ajustements qui vont dans le mauvais sens. Alors là, je sais, vous vous dites, Luthor, il est gentil, il va nous parler de FIFA alors que c'est un YouTuber PES. Et vous avez raison, les amis, je fais cette vidéo en tant que YouTuber PES, en tant que fan de foot aussi avant tout. Mais vous me connaissez, ça va pas m'empêcher de vous dire toute la vérité. Je vais vous le dire tout de suite, j'ai pris une claque. On va pas se mentir, j'y allais en toute détente, je me suis dit FIFA je connais, FIFA 18 c'était de la daube, FIFA 19 c'était pire que de la daube, c'était du vomi de daube, FIFA 20 ça va être pareil, petite queue, sous le cagnard, on se rafraîchit comme on peut, on rentre, on prend la manette, graphiquement je me dis, ils sont un peu foutus de notre gueule, c'est FIFA 19, je me dis peut-être ils se sont trompés en mettant le CD, ils ont mis FIFA 19, sauf que je me suis très vite rendu compte que ça n'avait rien à voir avec FIFA 19 dès les premiers touchers de balle. Pourquoi? J'avais l'impression de jouer à un PES, tout simplement. C'était très, 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 très lent. Alors, ceux qui disaient PES, c'est de la merde parce que c'est très lent, là, je vous vois, hein, ceux qui jouent à FIFA. Achetez pas FIFA 19, hein. Achetez pas FIFA 19 parce que si le gameplay reste comme il était cet après-midi, vous allez détester, restez sur FIFA 19, ce sera beaucoup mieux. Parce que là, le gameplay, à côté, PES 2019, ça allait vite. Quand je vous dis que ça allait pas vite, c'est que c'est très lent. Mais en fait, c'est pas lent ou pas lent, c'est réaliste. C'est du foot, c'est réaliste. Quand tu fais ta passe, le ballon, il faut bien le temps qu'il arrive à ton joueur. C'est pas des passes ping-pong comme on avait sur FIFA 19. Si tu fais ta passe dos à ton coéquipier, la passe, ça va être loupée, car oui, oui, les amis, dans ce FIFA, il y a des passes loupées. Il y a des passes loupées. Si tu fais un mauvais contrôle, si tu orientes mal ton joueur quand tu vas faire la passe va être loupée. Et là, vous vous dites derrière votre écran, si vous jouez déjà à PES 2019, ouais, ça, nous, on l'a déjà. Ça, nous, on l'a déjà sur PES 2019. Quand tu reçois le ballon, si le joueur, il est derrière toi, que tu lui fais la passe, ça va être dégueulasse, ça va être toute molle et elle va pas arriver. Bon, sur FIFA 19, c'était pas le cas. Là, c'est pareil.
sur FIFA 20, c'est le cas. Vous vous dites, tu parles beaucoup de PES. Bah oui, mais je suis désolé, moi, toute l'année, j'ai joué à PES. Donc là, je remets la main sur un FIFA depuis longtemps. Bah, je vous donne mon avis, je vous donne mes références. Après, vous les prenez, vous en faites ce que vous voulez. Donc, les passes, comme je vous le disais, c'est bien. Il y a des passes loupées, le gameplay est lent. Là, vous vous dites, c'est le jeu parfait. Non, 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 calmez-vous. Il y a des défauts. Il y a des défauts sur ce FIFA. Je vais vous les donner. Pour moi, déjà, les gestes techniques sortent beaucoup trop vite encore, comme dans le FIFA 19. Alors, je sais, vous aimez bien ce qu'il est. C'est vrai que c'est agréable, c'est spectaculaire. Mais c'est pas réaliste. C'est pas réaliste. Les stop and turn, les croquettas, etc. Alors oui, ça marche beaucoup moins bien parce que la défense a été revue. C'est un autre point fort. La défense a été revue. Ça défend beaucoup mieux. Tu prends tes défenseurs, tu te mets face à l'attaquant. Il va pas passer. Si tu es devant, il ne passera pas. Si tu essayes de laisser la défense faire, bah là, par contre, elle va être au chou. Ils ont vraiment baissé. Et là, ils l'ont annoncé. Ils ont baissé l'intelligence artificielle de la défense. Donc, tu ne peux plus sélectionner ton gardien ou alors un milieu de terrain et laisser ta défense. Ça, c'est très bien. On voit également la différence de vitesse. Par exemple, un Neymar ou un Di Maria par rapport à un Van Dijk, bah forcément l'attaquant va aller plus vite, il va pouvoir le prendre en vitesse, ce qui n'était pas possible hein, sur le FIFA 19. J'y ai pas joué, mais j'ai commenté des compétitions, je voyais bien que les joueurs pro, même s'ils avaient un mètre d'avance avec Mbappé, ils étaient obligés de s'arrêter et de repartir en arrière parce que sinon ils se faisaient rattraper par le défenseur. Ça c'est fini. Nouveau point négatif, c'est qu'en fait ils se rappellent pas que le foot ça joue à 11, parce qu'en fait il y a un gardien normalement dans le foot. Ah bah là FIFA 20 il n'y a pas de gardien. Alors là, il n'y a pas de gardien, tu tires ses buts. Alors, c'est-à-dire que t'as des matchs qui finissent en 4-3. À la mi-temps, t'avais déjà des 2-2, des 2-1. Voilà, beaucoup de buts. Ça, je pense que c'est volontaire, ça c'est mon avis. Je pense que c'est volontaire, FIFA veut du spectaculaire. Et donc, FIFA ouvre les portes aux buts pour avoir des gros scores et faire kiffer. Voilà, t'es content, t'as mis des buts. Ça peut être encore amélioré, hein. Ça peut être encore là, cette jauge-là peut être un petit peu montée ou baissée, mais je pense que là, les gardiens, ils sont vraiment catastrophiques. Ça n'a jamais été le point fort de FIFA, hein, on va pas se mentir. Bon, là, pour le coup, ça reste dans la continuité. Au niveau des animations de joueurs, au niveau ce que je vous disais au début, pour moi, graphiquement, ça n'a pas changé. Les gradins, etc., les spectateurs, les... Pour moi, l'ambiance est la même. J'ai pas l'impression qu'ils aient fait de gros efforts là-dessus. Reste à voir maintenant ce que va donner le mode FIFA Street, appelé autrement, appelé Volta. On n'a pas pu mettre la main dessus. On n'a même pas vu de gameplay à proprement parler de ce mode. En tout cas, pas plus que vous sur Internet. J'attends maintenant de pouvoir le tester un petit peu plus tard parce que je vous rappelle que c'est une version E3 et donc elle a de grandes chances de changer. J'espère simplement... pour vous, pour les amoureux du foot, que cette vitesse ne va pas augmenter beaucoup parce que pour l'instant, franchement, on a affaire à un très bon jeu de foot. Donc voilà, je sais que ça va en étonner plus d'un, mais j'ai bien aimé ce FIFA 2020. Après, je n'ai pas testé la version finale, ça va encore changer. Ne vous inquiétez pas, je serai toujours YouTuber PES, mais je vous l'ai toujours dit, je ne m'interdis rien. N'oubliez pas les amis, si vous voulez d'ores et déjà précommander ce jeu, allez sur le site de Choco Bon Plan, vous allez forcément avoir le jeu au meilleur prix puisque voilà, c'est leur boulot, vous trouvez le meilleur prix sur tous les sites. Ils nous font simplement gagner du temps, c'est ce qu'on fait tous, hein. On regarde un petit peu, on compare, bah, eux, ils font ce travail à notre place. Donc passez par le site et vous verrez qu'ils vous trouveront les meilleures offres, collector, pas collector, etc. En attendant, pour me soutenir, très simple, le like et l'abonnement. Je vous fais d'énormes bisous les amis, c'était Luthor en direct de Los Angeles. Et de l'E3 2019. Ciao les mecs. Retrouvez vos marques jusqu'à moins 70% sur gamingprivé.com.